strong. God and I know me number one. Docteur François Victor Diatta, maire de la commune de Kafoutine. Voilà, donc on aimerait que vous reveniez sur la journée d'aujourd'hui, la réception des aliments destinés au bétail au niveau de la commune de Kafoutine. Oui, c'est un certain nombre de tonnes qui ont été reçues par la commune de Kafoutine. Pour l'aliment de bétail subventionné par l'État du Sénégal. Toujours dans son élan de solidarité, d'accompagner les acteurs, l'EDRA a décidé de subventionner de l'aliment de bétail. Donc, pour accompagner les éleveurs du Sénégal. C'est dans ce sens-là que le département a reçu un certain nombre de tonnes d'aliments de bétail qui sont répartis dans toutes les communes. La commune de Kafoutine a reçu 4 tonnes d'aliments de bétail. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la cérémonie de distribution de ces 4 tonnes pour l'ensemble des éleveurs de la commune. Comme vous le constatez, c'est insignifiant par rapport au nombre d'éleveurs qui existent dans la commune de Kafoutine. On a l'habitude de penser que la commune de Kafoutine, c'est essentiellement deux secteurs qui tournent, le tourisme et la pêche. Mais de plus en plus, on découvre que c'est une commune agricole et c'est une commune également d'élevage. La preuve où les jeunes qui sont ici présents s'activent dans le domaine de l'élevage. Donc on voit bien que les 14 ne suffiront pas, mais c'est quand même un geste qu'il faut saluer de la part de l'État qui est toujours dans les dispositions d'accompagner les acteurs. Oui. On peut avoir une idée du prix de ces aliments et aussi l'organisation de ces moments de réception. Alors, je crois que c'est ils vendent le sac à 2000 francs. Hein, c'est subventionné par l'État. Hein. Tout le monde sait combien le sac d'aliments coûte. Mais l'État a choisi de subventionner pour permettre aux éleveurs de pouvoir acquérir ces aliments de bétail. Donc là, en collaboration avec le président des éleveurs, j'ai organisé le convoyage des 4 tonnes. Et maintenant, lui, à son tour, il était chargé d'informer tous les éleveurs de la commune. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont intéressés sont là pour voir ensemble comment la répartition donc, va se faire. Ouais. Wow, monsieur le maire ci Olof nga tenko ci Olof tay amna tamit aliment ñu andi pour rabbi yi nga xamantene fi ci commune Kafoutine mën nga delu ci si quand même et bi nga xamantene état daf ko jaglel éleveur yi. Wow, état daf ko jaglel éleveur yi comme lu ko faral di def ren état dafa décider gungé éleveur yi mota mu subventionné moy aliment de bétail. Donc hauna new wante geste la bi nga xamne dañ ko wara rafetlu parce que fi ci commune Kafoutine souvent dañuy fogné Kafoutine pêche bi rek ak tourisme mo fay dox donc li mo woné né élevage bi tamit génie ñu ngi dem ci lolu ñu koy pratiquer bu baaxa baax donc lolu li état def ni daf leen jappalé ñu mëna dérouler sen activité donc commune Kafoutine 4 tonnes la am. Mota Mayoni, président des éleveurs, nous avons même tamit ndaw la jeune la pour mu dem indi 4 tonnes yoy nonou tay ñu dajé fi pour xol nak lañuy sédélé lolu. Donc gis ngeen né hauna néw par rapport volume activité bi mais lolu accompagnement la lo mo woné né état faté wu len mu len di jappalé mu len di gungé di len encourager ñu investir secteur bobu nonou. Tay mën nañu xeyma li nga xamantene prix bi nga xamantene bobu lañu ku nek wara jël té aussi organisation bi nga xamantene dañ ko téral pour que éleveur bu nek mëna jot ci aliment yi. Waaw, prix bi comme ñepp xam nañu saaku aliment bétail bi ñat lay jar mais fokk na né état da ko subventionné ba taxna ben saaku bi 2000 francs rek lay jar le service de chef état moko jël en charge. Donc président éleveur yi dafa woté moromam yépp n'est-ce pas informer len kep ki nga xamné intéressé wa ci aliment bi nga ñow tay pour ñu xol ensemble nak lañ koy sédélé ñepp xam nañ la du doy
wante kenn ku ne bo amé ben saku amna dina xawa tané ñu xol lu ci dess lañ nak lañ fay défé donc je pense que ñom ñep ñu ngi fi déggo nañu ci le clé de répartition bi ñun ñu ngi fi di len assister ak le service de l'élevage aussi qui est là mom tamit mo nek du cyber superviser activité bi waaw ñu ngi ci liggéey bi tay ban kaddu nga am nga fasiné yëkëti ci kaw ñi nga xam dañu ñoy éleveur waaw luma leen di ñaax rek moy ñu gëna développer activité bobu non parce que luy développer rew du ben secteur il faut que secteur bu nek bu ñu amé potentialité bi ñu xaw ko développer nañu tourner wu ci l'élevage moderne intensif ñu mëna am autonomie par exemple ci li nga xamné loolu lañuy jëfëntiko par exemple les moutons etc donc loolu je pense que dañ leen wara encourager le secteur bobu non donc am nañ potentialité bi et voilà le CDC loolu moy accompagner leen encourager leen ci loolu et moi c'est Abdou Karim Diédiou le chef de poste vétérinaire de Djouloulou je suis là depuis 2 ans. Voilà, monsieur Diédiou, des aliments destinés aux éleveurs de la commune de Kafa. Comment vous l'expliquez? Ok, bon, on a reçu 4 tonnes d'aliments pour les éleveurs de Kafountine. Maintenant, on est en train de faire la distribution avec le président des éleveurs, le maire, le sous-préfet et moi-même. Oui, donc, quant à l'organisation de la distribution, comment vous le procédez? Bon, l'organisation, c'était un peu facile. Parce que déjà les éleveurs de Kafountine sont organisés. Ils ont une association et tous les membres sont affiliés à cette association. Donc on a déjà une liste. Donc tous les éleveurs sont demandeurs. Seulement l'aliment n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des éleveurs qui ont demandé 10 à 20 sacs et finalement ils ne peuvent avoir qu'un seul sac. Parce que l'aliment est quand même insuffisant et il y a beaucoup d'éleveurs. Donc on est obligé de leur donner un sac par éleveur et en attendant de voir si on peut avoir un surplus d'aliments. Bon, le sac, c'est sur le papier, on nous a demandé de vendre le sac à 2200. Donc les 2000 francs, ce sera retourné au niveau de la préfecture. Maintenant, les 200 francs, c'était la manutention. Mais malheureusement, lorsque le président des éleveurs est parti à Bignona, les 200 francs n'ont pas pu amener l'aliment. Donc ils nous ont demandé 50 000 pour les 4 tonnes. Donc bon, on a discuté ensemble. Donc on sera obligé de vendre le sac d'aliments à 2500. Donc 2500. Maintenant les 500 francs, les 4 tonnes, ça va faire 50 000. Maintenant les 50 000 seront destinés à la manutention et au transport. Et les 2000 francs seront retournés à la caisse. Voilà, monsieur Yéjou, quel est le message que vous avez adressé auprès des éleveurs qui sont intéressés par cet aliment? Bon. Pour l'instant, on a fait une requête qu'on a envoyée. Maintenant, je ne sais pas si cette requête sera prise en compte ou pas. Mais bon, on va suivre le dossier pour voir si on peut avoir un surplus d'aliments. Maintenant, bon, ce que je suis en train de discuter avec les éleveurs, c'est de plus s'organiser encore et essayer de voir comment on peut peut-être dans le futur importer de l'aliment de Dakar et distribuer aux éleveurs et avoir un fonds de caisse. Pour le futur, ouais. Ñu tenko ci olof tay yéna ngi ni di distribuer aliments bi nga xamantene pour éleveurs yi. Alors lo ñu mëna wax ci organisation bi. OK, man maay tuddu Abdou Karim Diédiou, maay chef de poste vétérinaire bu Djouloulou. Donc tay dañu ñëk di distribuer aliments bi, dañu jox 4 tonnes aliments lañu jox pour ñu sédélé ko éleveur commune Kafountine. Waaw ci liguey bobu ñu mëna xam en tout cas liguey bi ni mu démé é aussi naka ngeen jaayé sako bi waaw d'accord légui sak bi dañu néwon pour ñu jaayé ko 2200 donc 2000 francs yi mom lañu délo ci caisse bi 200 francs moy nak transport bi mais président éleveur yi bu mu démé Bignona pour jëli aliment bi 200 francs yi buñ ko calculer 200 francs yi mënul indi aliment bi donc chauffeur yi luñu laaj moy sak bu nek 500 francs donc légui dañu ko comme xaliss mu ñor ci caisse bi xaliss bobu lay jël mu indi ko légui buñ ko indé légui 500 francs mom lañuy yok ci 2000 francs au lieu de 2200 donc gaay dañuy jaayé sac bi
2500 légui 500 francs mu dem ci transport bi légui 2000 francs mu delu ci ci caisse bi donc lolou lañu nara def waaw fumu toll ni ñi jot sen aliments yi ban cadeau nga yëkëti pour sensibiliser éleveurs waaw bon lumay sensibiliser éleveurs moy ñu gëna organiser wo parce que déjà fi alhamdullah amna touti organisation bu fi nek donc éleveurs organisé wu nañu amna ñu association affilié wu nañu maison des éleveurs donc déjà lolou c'est un bon début parce que membre yi bari nañu donc gis nga amna ño xamantene dañu la ci won sax 10 sacs mais wala 20 sacs ñeneen ni duñu mëna am lolou dañu obligé jox éleveur bu nek ben sac en attendant ñu xol top ndax raquette bi dinañu am surplus aliment ou pas mais ñu ngi nek di waxtaan pour que suñu gëné organisé wu dina mëna permettre éleveur yi ñu importer aliment en quantité indé tonnage bu important bu ñëwé ñu verser ñi ñu sédélé aliment bi de am touti xaaliss bi dess ci caisse bi lolou dina la mëna dimbali dans le futur. Ok, merci. Je m'appelle Mamadou Lamine Diata, le président de la maison des éleveurs de la commune de Cafontaine. Voilà, président, vous venez de réceptionner en tout cas des aliments destinés en tout cas à votre association des éleveurs de la commune de Cafontaine. Parlez-nous un peu de cette journée de distribution. Ok, merci beaucoup, bon, monsieur Lahat. Bon, c'est une grande première pour moi. C'est ma première réception d'aliments de bétail. J'avais commandé 20 tonnes, hein, on a eu 4 tonnes, mais c'est l'aliment subventionné pour, dans le cadre du COVID-19 de l'État du Sénégal pour les éleveurs. Donc l'arrondissement a eu à bénéficier 10 tonnes. Donc après, chaque commune a eu sa part. Notre commune a bénéficié des 4 tonnes différentes des autres. Quoi. Mais quand même, on remercie aussi ceux qui ont subventionner l'aliment et c'est ce qui nous donne aussi l'aliment quoi. Nous voulons plus, mais si on a même un sac, nous sommes fiers. Oui. Alors, vous avez l'aliment est là, la distribution continue, les éleveurs sont là en train de bénéficier. Mm-hmm. Quel est le conseil ou le message que tu as à les adresser? Donc, avant la distribution, nous avons tenu plusieurs réunions avec à l'endroit des éleveurs pour pouvoir quand même le faire dans la transparence et dans la paix, donc sans discussion. Et nous allons procéder par chacun d'abord un sac. Et si une heure cela, on va augmenter chacun deux. Mais pour l'instant, comme qu'on est en nombre, car ceux qui sont adhérés sont supérieurs à la demande est supérieure à l'offre. Donc d'abord, on va procéder par chacun un sac, ceux qui sont en bénéficiaire aussi encore. Ça, c'est une première. Il y aura encore une deuxième phase pour la préparation de la tabaski. Voilà. Donc ci olof yeena ngeen ni tay ngeen ci bali ci en tout cas aliment bi nga xamantene état daf len ko subventionner yeen éleveur yi en tant que président lo ñu mëna wax sen distribution. OK, fu tonni di remercier d'abord mom ñi tax affaire am bon commencer ko ci le monsieur le maire parce que mom il nous a facilité le transport de l'aliment. Donc ak tamit ño xam ni fa subventionner aliment parce que aliment bi deug ñun man laaj na 20 tonnes bima laacé mais homa am ñuko mais 10 tonnes lañ am par l'arrondissement que commune bu Kafoundine bénéficie aussi 4 tonnes même boudé ben sac la lañ am bon nañ ko santé la parce que la may ben kok mom boudé lool mom warañ ko xép quoi mais ma sañu dal mom xamna du yem ci bi waaw mu am na ma ben aliment yo rañu encore moy ci opération tabaski bob mom ça sera mom c'est vrai prévu du bok mais bob moy gëna bëré quoi té éleveur yi li mos lo mais bi ñoo moy raw té bu tolni ya da gaay éleveur ñu ngi jot sen aliment pour sen animaux yi ban conseil ban cadeau ngay yëkëti sen kaw bon li mo wax toujours gam mom c'est vrai gaay mom li kula may ben donc moy manam ñaax na la pour nga gëna gorgolo ñun instant kep ku yar da ngay fexé rebor ngay alimenter ces bétail donc kula may li bul xaar toujours ñu lay may gan mom bu la mayé yow fexé nga gorgolo ñun fu tolni mom am nañ départ légui buñ ci joggé ci li mën nañu commencer suñu aliment bop bo xamné même bu dé di prévu du bok mais nañu fexé ni ñi am suñu ay commande bop au niveau de l'hygiène waaw té ñi wax sédiment jërëjëf ñi subventionné aliment par ci état bi. Merci beaucoup.